Salut à tous, c'est le Corbloc. Salut tout le monde, c'est... Non, hey Matelot, c'est des froids. Pardon, j'avais oublié ma propre intro. Non mais on la garde, vas-y, Aurige, vas-y, vas-y. Salut, c'est Aurige. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Visite du quartier des abonnés avec des froids et Aurige. Et on reste finalement sur le quartier 50-50, puisque ça nous fait plaisir. Voilà, peu importe. On va commencer tout de suite avec la maison juste derrière nous. Qui est de Nathan Jolien. C'est pas le même, c'est pas Nathan Lemort, Nathan Jolien. Nathan Jolien. Qui nous a envoyé quelques maisons de mémoire. Nathan Jolien. Qui nous a envoyé quelques maisons. Il nous a pas envoyé qu'une de souvenirs, je crois. Voilà, pour petit détail. La dernière qu'on a visitée. Ah oui, non, c'est sûr, ça là est plutôt en mode plat. Comme la première, du coup. Comme la première de Nathan Lemort. Je trouve ça très très design, moi. Moi j'aime bien ces maisons comme ça. Ah, c'est très allongé. Aussi sur le devant. Ah ben là t'en veux des pellicules de neige, des stries de neige, ah, j'ai vu. T'en as là. Avec le petit toit, ça c'est sympa avec les pellicules de neige. Tu peux faire des toits en. Alors là il a fait une pente régulière, mais tu peux te permettre de faire un truc un peu qui monte, un peu comme une exponentielle ou un truc comme ça. Mmh. Ça pourrait être sympa. Ce serait peut-être chelou, mais ça peut être sympa. Avec des toits végétales. Végétaux. 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 Attention les blagues. Et une grosse partie terrasse dans le jardin. Moi j'aime bien ça, ça fait vachement moderne. La plupart du jardin c'est une grande terrasse en fait en bois ou en quoi ce que tu veux. Mm-hmm. Et puis après un coin pelouse à l'anglaise, hein, bien, enfin terrain de foot. Oh j'avoue. Ouais le côté, c'est Shiftmaster, il faisait ça sur World of Carry Server. Je crois que c'est un des premiers qui faisait ça, qui a vraiment balancé le délire de faire ça. Enfin pour moi en tout cas. Ah c'est sympa. Il fait ça depuis longtemps. Ouais, laine verte et je comprends, et gazon. Le mec avait pas envie de se faire chier. Il a passé la tenteuse que là. C'est ça. Après hop, il laisse tomber. Après il s'est dit, oh non autant le faire deux fois moins. Ah, je fais là. Attends. Économie, ouais, gros. Il l'a fait dans un économie. Sens et puis dans l'autre, quoi. Non mais je pense que c'est ça que ça représente. Oui. Petite bah, voiture petit sportive quand même. Ah oui, attention. Petite, mais sportive. Avec un aileron et tout. Ah bah attends. Ah ouais bah. Double parce plongeoir. Attends, double plongeoir quand même, merde. Ah c'est dommage qu'on ait pas de trampoline dans Minecraft. J'aime bien qu'il ait fait middle plus fine pellicule de neige. Pour faire le plongeoir, ça fait classe. Boum, boum. Pousse. J'aime bien. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre des water features sous la piscine. Ouais, il y a même des gens qui ont fait, y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait aussi un sol complètement vitré avec une pièce en dessous. Oui. C'est la maison, elle continue en dessous. La fameuse maison de, je sais plus qui c'est, mais tu te rappelles où il y avait 2, 3, 4 niveaux de basement, c'était n'importe, c'était la folie furieuse. Ouais. Je sais plus qui c'était. C'est peut-être. Ah, je sais plus. Je vais rentrer. Ah moi j'ai pas fini le tour. T'es rentré par où du coup? Je suis rentré par là. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un grand couloir d'entrée. Une maison. Ah ça c'est ça que j'aime bien aussi. Parce que un peu qu'on a vu dans toutes les maisons, enfin dans souvent les maisons. Ah bien l'entrée aussi comme ça avec les demi-blocs. Au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'extérieur? Ouais oui oui la feature de plafond là. Ah, ouais. C'est sympa ça. Ça aère le. Ça aère le. Ce qui est excellent, c'est qu'il n'y a pas une seule pièce qui est au même niveau. C'est ça, voilà. Là, mais même là, dans ce coin-là, tu vois de ce côté. Par exemple, tu te mets ici, il y a un truc que j'aime bien, moi, des fois, c'est que tu te mets ici, par exemple. Et tu vois l'escalier, le comment on appelle ça, pièce en dessous. La pièce en dessous, la pièce au-dessus. Tu vois jusque dans le jardin. Tu vois super loin, quoi. Ça met quand on se met là, oui, d'accord. Ouais, ça met du dynamisme dans la maison. Toujours le même délire. Ouais. Les fameuses étagères en fine pellicule de neige, ça, c'est très très classe. Ah mais là il y a eu... Il y a eu sûrement un bug. Ah il y a eu un bug. C'est pour ça que je remets. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors là par contre le truc que je trouve dommage Nathan, c'est ton plafond. Ton plafond est un peu trop sans rien. Ouais il est un peu... Il est plat et en plus il est vachement sombre. Ouais parce qu'il est gris. Je trouve que ça assombrit vachement la pièce. Alors un travail de plafond aurait été sympa que ce soit avec, des éclairages, soit avec d'autres matériaux en demi-dalle par exemple. Du bois, quelques zones en demi-dalle en bois pour donner du relief au plafond. Voilà, si je devais faire une critique sur cette pièce, ça serait ça essentiellement. Peut-être j'aime même... bien la barrière en pellicule de neige aussi, comme ça, pas mal.
Plus c'est safe, on passe pas à travers. Ouais, c'est pas comme le la barrière en la pancarte aussi. La barrière en pancarte que dans une maison de Troglobe. Ouais. Non mais ça on c'est a pas vu, mal aussi. Je l'ai vu la terrasse. Donc du coup, après il faut passer par là. Bah après il faut descendre, je pense. Tout simplement, ouais. Alors ça c'est quoi, c'est de la glace ou de la flotte? C'est de la glace, je pense. Alors nous avons quoi? Coin des tentes. Bah le, ouais, t'as vu le même, un peu le même système de lit que dans la maison de. Ah ouais, j'avoue. De Noxel. Je crois que c'est Noxel ou oui Noxel, je crois. Ah c'était Noxel. Ouais ouais. Et c'est pas. Alors il y avait sûrement des tableaux. Ici. Ouais, ah, oui, devant les clusters. Peut-être ici, ouais. Il y a sûrement des tableaux. Je vais t'en mettre au pif. Ok, bien là, sûr. Là aussi en face de. Ça devait faire un télé. Vas-y donc. Alors je peux pas le mettre. Tu peux pas le scroll Ah bah si je peux. Je vais essayer de t'en mettre un, s'il veut bien. Ouais, je le scroll ça change pas la taille des tableaux, je crois, non? Non mais nous on a un plugin pour scroll les tableaux. Ah oui. C'est à dire que tu mets un tableau et après tu restes appuyé sur ton bouton droit et tu scrolls. Oui voilà. Mais ça change pas la taille des tableaux. Si si ça fait défiler tous les tableaux qui existent. Bah si ça fait défiler tous les tableaux. Ok. C'est pratique. Donc du coup il y a salle de... Oui salle de bain oui. Salle de bain shot avec une séparation. Alors ouais. T'es bien quand t'es au shot là, on te voit un peu et tout, c'est sympa. Ça. Bah, à la limite, si travers... ça c'est une grande chambre, à la limite ça peut passer. En oui. Dessous. Ah oui, ici. Là. Bah, là, c'est tout, pas... la... tout l'étage en fait. Ouais, c'est toute une grande chambre là, avec des grands espaces. Il doit y avoir sûrement plein de tableaux, hein. On va pas tous les remettre, c'est dommage, mais ça va être long, on va bugger, on va mettre un temps pour le faire. Ouais. Ah, attends, il y a quoi ici? Ah, il y a une autre toilette. Ah, sous la cage d'escalier. Et là aussi, on peut te voir aussi. C'est sympa. Toi, t'aimes bien quand on te regarde quand t'es aux toilettes. C'est la maison de qui? Nathan Jolien. On peut te voir, hein, j'avoue. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça dépend pour qui. Alors, j'aime bien l'extérieur. Et après, l'intérieur, je pense que ça manque un peu de détails sur certains endroits. Peut-être le plafond et en bas. En bas, non, encore que tu t'es peut-être voulu d'avoir des grands espaces... un peu à la loft, un peu vide, enfin entre guillemets. En tout cas, j'aime beaucoup l'extérieur. Ouais, l'extérieur est classe. Alors, merci à toi, Nathan Jolien. T'as pas de chaîne? Non, t'as pas de chaîne. Peut-être que t'en as une et je l'ai pas collé parce que j'ai bugué. Je ne sais pas. Merci, Nathan, pour cette maison. Et on va passer à celle-là. Celle qui est vert, bois foncé. D'accord. Qui est juste à côté. Et c'est la maison de. Attention à la surprise! Voilà, Noxel 13! Ah ouais, il est balèze lui. Noxel 13. Donc, on va te voir à peu près tous les épisodes, il y a des chances. Vu qu'il il en a envoyé énormément, je crois qu'il m'en a envoyé 15 ou 16. De 50 par 50 Quasiment, ouais. Ouais, il avait du temps à tuer. Je sais pas. Ça doit l'inspirer, les 50-50. Donc, tour de l'extérieur. Alors, c'est vrai que les massifs, celle-là aussi. Les massifs ouais. Il y a moins de détails que celle que la précédente. Hein. Ouais. Enfin, de celui-là, hein, pas de. Ouais, ouais, ouais. Elle ouais. est plus soft, mais le design est plus sympa, je trouve, peut-être. Avec des. Un toit en. Enfin. Ouais, le toit penché, qui est pas. Ouais. Qui est pas droit, il est penché. Les deux côtés de la maison ont penché pas du même sens. Ouais. Ah, une petite serre aussi sur le truc, c'est sympa. Une petite serre? Ouais, ici, là. Une petite serre. Ah, ouais, il y a une petite serre. Faire pousser tes... Ça c'est cool, des carottes. Ça. C'est bon, ah, ça. Ça c'est classe. C'est le détail qui tue, quoi. Ça c'est sympa. Ça fait plaisir. Là on est d'accord. Ah oui, complet. Et la petite... le petit bain, là, pour... Ah pour ouais. Coupé en deux. Ça c'est bien, ça. La petite bâche aussi, pour la piscine. La bâche. Oh. Les petits features en quartz, les petites avancées de toit qui ne servent à rien, entre guillemets, plus ou moins, c'est juste vraiment pour le design, pour le style, avec différentes hauteurs, différentes avancées. Ça, c'est sympa, ça j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça, en tout cas, c'est vrai que je le fais. Ça permet aussi un sentiment de. Pas d'isolation complète, mais un peu de couvert, enfin comment dire. Oui, c'est de protection un peu. Oui, voilà. Et puis ça fait un côté un peu design aussi. Canapé sur sol en demi-dalle en neige. Bon, normal, qui va bien, ça fait toujours plaisir. C'est sympa les canapés en demi-dalle. Sur un sol en demi-dalle, je veux dire. Le barbecue, pas commun, mais classe.
Non, pas commun, non. Et mais les plaques de pression en bois, elles crament pas avec le barbac, normalement? On n'a pas de... On n'a pas de propagation de feu sur le serveur. Ouais, ouais, mais je veux dire, quand lui, il l'a fait en solo, s'il n'avait pas le plugin, il ne devait pas cramer. Tu sais, c'est Essential qui le fait. Je sais pas. Peut-être qu'il l'a fait à la dernière minute, il a quitté la... Ah, mais non, enfin, oui, là, je sais... Non, mais non, ça veut rien dire, puisque je dis... Si... Mais je sais même pas si... Je ne sais pas. Peut-être que ça ne crame pas, ces conneries. Je sais pas. Je sais pas. Je rentre à l'intérieur, quand même. Bah oui. J'aime bien aussi la... Au niveau de la façade, ça fait une espèce de sculpture au niveau de la vitre, là. Ouais. Ouais, c'est carrément. Sympathique. C'est mieux qu'avoir une grosse vitre rectangulaire à la con, entre guillemets. Ouais. Alors, bon, on avait du plafond plutôt foncé. Et là, on est servi avec du plateau plutôt... Ah merde, putain, je sais ce que j'ai dû faire comme connerie. J'ai dû paste la maison sans mettre le fast sur WordEdit. Et du coup, je t'ai perdu tes pellicules de neige flottantes. Le mauvais. C'est tellement mauvais. Ça se trouve. Ah, le pot de fleurs, on a un temps noir. Le manque de professionnalisme. Ah oui, non, le manque de professionnalisme, mais direct. 7,78, attends, je vais le refaire en 12 pis. Hein. Oh là, des étagères qui sont mises sur une sur une vitre. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. Une vitre géante. C'est pas con ça. Qui sert de mur en fait. Ouais, c'est pas con du tout. Et tu remarqueras qu'il a fait un... Alors, je pense qu'il a... Je sais pas, peut-être que tu l'as fait en flow, parce que c'est vrai que le gravier dans le flow, il est magnifique. Et c'est quand même une étagère en gravelard. Et comme il est sur un sol en demi-dalle, ça peut pas tomber. Et en plus de ça, que ce soit du gravelard ou autre chose, ce qui est bien dans l'étagère en demi-dalle, c'est que... Alors toi, je sais pas si tu le vois des fois, mais il y a un jeu d'ombre. Parce que toi, tu me disais que t'avais un truc avec tes ombres ou pas? Ouais, ouais, mais je vois quand même les jeux d'ombre. Il y a quand même un jeu d'ombre et ça fait meuble très moderne puisqu'en fait il est accroché au mur et il est pas sur des pieds quoi. Donc ça fait assez design un mur accroché. Un meuble accroché à un mur. Et là en plus en l'occurrence c'est un gravelard donc c'est cool, de toute façon ça tombe pas dans tous les cas. On peut même accrocher le gravier sur le. Enfin, accrocher non, mais mettre le gravier au niveau de la. Ah, comment ça s'appelle, de la vitre en glace, si on met des boutons collés sur le mur aussi, on pourrait faire ça aussi. Et aussi avec des pancartes, mais ça se voit plus, mais les pancartes t'empêchent de faire tomber le gravier. Mmh. Oui. Donc, en fait, tous les trucs en fait t'empêchent de faire tomber le gravier à partir du moment où tu peux les poser. Mmh. Donc nous avons quoi? Ah bah un petit water feature en dessous là, c'est sympa. Ah oui, toujours. Bah t'es... Alors, attends, il y a quoi ici? Ah, c'est bien. Voilà, donc là, c'est l'accès pour aller à la terrasse. C'est à l'extérieur. Table ultra design sort en glace. Ouais. Ah, j'avoue. Mais le petit truc à noter, c'est quand même la sculpture là qui fait office de. Étagère. Étagère séparation, ouais, c'est ça, séparation. Séparer l'espace sans vraiment foutre un mur tout plein à la con. Comme ce mur étagère aussi. C'est une grande pièce séparée par des murs qui sont pas jusqu'en haut quoi. Là tu vois, il y a que des poutres. Pas des poutres, n'importe quoi. Des colonnes et des petits trucs comme ça. Il n'y a pas du tout de mur en dessous. Ouais, carrément. À part le tour de la maison. Je sais pas si t'avais mis des. Peut-être que c'est moi encore qui est bug. Si j'ai collé ta maison sans mettre le fast. Je spécule, et peut-être que t'avais fait un truc comme ça, Nox. Replace 2 par 78. Peut-être que t'avais fait un truc comme ça, je sais pas, mais ça me paraissait un peu bizarre comme hot, parce que je pense que c'était une hot. Enfin, peut-être que t'avais fait ça. Tu me diras, sinon tu crées au scandale, hein. Au scandale. Un îlot, d'accord, c'est une cuisine, j'avais pas capté, moi. Ouais. Îlot central, cuisine... Et le petit côté, le petit passage sur le côté ici, c'est sympathique. Ouais. Et voilà, on peut passer partout. C'est... On circule librement avec des séparations quand même qui sont pas des gros murs, quoi, avec des portes et tout classique. Et il y a un étage, oui, j'imagine. Il y a un étage. Ouais, il y a un étage. Au niveau de l'entrée. Il y a un escalole. C'est beaucoup plus blanc que sur la dernière maison qu'on a vue. Ouais. C'est clair. Alors, on va sur Orige. On a une première chambre. Avec un bureau. Hauteur de plafond de dingue. Alors là, soit c'est. Finesse. Ah ouais, on est sous le toit en pente là. Ouais. J'ai mes chaussettes là-haut, mais bon, j'en mettrai pas aujourd'hui, c'est un peu trop haut. Non, tu sais, c'est les trucs dont tu te sers plus, tu les mets toujours en hauteur. C'est ça. Tu vas pas les chercher.
carrément. Par contre, tout le monde peut te voir pioncer, quoi, ici. C'est ça. C'est... Eh ben, chez Nathan Jolien, on peut te voir chier, et là, on peut te voir pioncer. C'est pour les gens qui sont claustrophobes. Ah oui, là, c'est... Il n'y a pas de problème, comme ça. Là, il y a une autre... table. Oh, c'est une table. Avec un billard. Alors ça, c'est un billard, ça? Je pense que c'est un billard. Et ça représente les trous, les points de redstone. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Pourquoi pas vert? La redstone verte? Ah, le tapis? Billard bleu. Oui. Billard bleu. Ça existe. Peut-être avec les murs, ça aurait été fait... Ça aurait fait trop vert. Ça aurait peut-être fait trop de vert. Il y a un truc que j'aime bien faire pour avoir une texture un peu tapis aussi. Des fois, tu fais ton tapis... Tu utilises de l'herbe. Ah oui. C'est sympa d'utiliser de l'herbe pour faire le tapis de billard. Ça donne une texture un peu différente que la laine. Après, ça dépend du pack, évidemment. Ah oui. Ah, il y a un truc qui est bien aussi, c'est les... Là, tu vois, à l'extérieur et à l'intérieur, t'as les décorations extérieures qui refont les étagères à l'intérieur. Ouais, ça suit le design de l'étagère intérieure. Ouais. Pour éviter que ça choque trop, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, ça rend bien. Là, nous avons une salle de bain, non ? Une salle de bain, toilette, juste. Juste toilette. Ouais, juste toilette. Parce que la salle de bain, elle est là en fait. D'accord, de l'autre côté. Avec... Ah, eh, pas mal. En tout cas, avec le... Avec le flow, c'est bleu. Ah bon, avec le flow, c'est bleu. Ouais, il l'a fait avec le flow. Ah hein. Oui. Parce que moi, j'ai pas du tout... Toi, c'est marron, non? En fait, c'est blanc. C'est marron sur les côtés, les arêtes sont marron et c'est blanc. D'accord. Ok, salle de bain. Marmole. Non, c'est bien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. C'est pas le cas de tout le monde encore, Bloc. Oh, le troll. Est-ce que quelqu'un a regardé le timing pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'épisode? Non, pas du tout. Parce que là, on peut visiter un truc qui est... On peut terminer sur un truc qui sera plus court à visiter parce que c'est pas une maison. Et on va le faire. Je pense qu'on est au niveau feeling. C'est quoi, c'est un McDo? On est bien, ouais. Et des abonnés, ouais, mais également. Tu peux le savoir? C'est un McDo design. Ouais. Hop. On est à 17 minutes. Ouais, bon, on va le faire. Un McDo design. Design, exactement. Je crois que c'était juste avant qu'on fasse l'annonce que les plots 50-50 pouvaient être utilisés pour faire plein de choses. Hein. Donc là, on pense à McDo, des immeubles, des gratte-ciels, comme on vous avait dit. Donc vous pouvez toujours nous envoyer. On en a eu 3, on les visitera plus tard une autre fois. On m'a demandé si on peut faire un McDo sur un plot 50-50, bien sûr. Si vous voulez me faire un parc, vous pouvez y aller. Et donc là, un McDo, un peu design. J'aime beaucoup la forme extérieure de ce McDo. Ça change du bon vieux McDo traditionnel. Il est un peu plus moderne. Et tu m'étonnes. Un peu plus moderne, et ça j'aime bien. Donc, d'ailleurs, je vais voir. Il y a eu un problème de. Il a été fait par qui? C'est dommage, ça a été coupé ici, les armes. Des fois je les remets, j'ai oublié de les remettre. Sony ou Tony, je sais pas, T-H-O-N-I. Tony 74. Tony. Comment ça? Tu te présentes devant moi, tu fais le malin. Le malin. Grotoni. Ah, c'est Grotoni des Simpsons, c'est toi! Donc un design moderne de McDo, ça me fait plaisir. Donc voilà, je l'ai pris, évidemment, je l'ai collé. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà j'ai l'impression qu'il y a le parking. Il y a un accès parking. Parking souterrain. Ouais, je vais le prendre. Ah, il y en a deux même. Il y a un parking souterrain. Il y a avec place handicapée. Et en fait il y a. Ah oui d'accord. Il y a l'accès McDrive. Il y a l'accès McDrive. Et après, si tu continues, de toute façon, tu descends pour remonter et tu ressors par là où t'es arrivé. Ok, c'est nickel ça. Voilà, donc ça c'est sympa d'avoir fait le petit souterrain au lieu de faire tout droit comme. Ouais, comme on peut voir tout autour du bâtiment. Ah oui. Et après, à l'intérieur. Pourquoi je refais le tour? Hop. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Des toilettes. C'est bon, non? Ah bah. Un peu partout. J'aime bien le mini toilette là. C'est où? La chiotte. Des chiottes à la tuer. Là tu crois que c'est un placard mais. Hop! Ah non, c'est des urinoirs, d'accord. C'est des urinoirs. Et parce que je me disais, chiottes à la tuer qu'en plein. Ouais, en pleine devanture comme ça. Ouais, c'est design hein. Comme ça t'es à l'aise. T'es parfait, t'es tranquille. Comme chez Nathan Jolien. Oui, complètement. On va te troll maintenant. En fait, on va appeler ça des chiottes à la Nathan. Maintenant, c'est décidé. Chiottes à la Nathan.
Et c'est pas Nathan. C'est Tony. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs des Nathan. Oui, mais en fait, tout à l'heure, Nathan Jolien, chaque chiotte de chez lui, les deux, on pouvait voir ce qu'on faisait. Quoi. Ah, oui. Et donc l'intérieur du McDo, bon après c'est vrai que c'est l'intérieur d'un McDo, c'est pas non plus super intéressant, donc c'est pas que c'est nul ce que t'as fait, je veux dire, il y a moins de choses à voir que dans une maison, c'est des, bon, des tables, des bancs. Hein. Il y a un étage quand même. Hein. Il y a un étage ? Eh oui, regarde. Attends, ça c'est les toilettes, ah mais c'est les toilettes femmes ça. Attends, j'imagine. Oui, j'imagine. Ah bah aussi. Oui, là largement. Par contre les femmes claustro, pareil. Ah oui. Où est-ce que t'as vu l'étage ? Alors bah j'ai vu un escalier en tout cas qui mène là. Ah bah oui. Tout à fait. Oula, alors, attends, moi je regarde la cuisine où j'y suis. Oh, c'est cosy ici. Ah, d'accord, on a le petit coin cosy pour manger à l'étage. Avec plus de bois. Genre. Ouais, je sais pas, je finirai ma fin d'un autre jour. Et là, on a quoi? Ah, d'accord, une autre. Alors là, c'est vraiment. C'est... T'es tranquille, hein, t'es le patron au McDo. Ah, ouais, là, c'est vraiment le salon de privé, quoi. Tenancier, je voudrais votre meilleure table, s'il vous plaît. Et un Big Mac. Je suis pas monté. Ah oui, effectivement. T'as un coin un peu plus. Système de un peu de poutre au plafond. Un peu plus tranquille. Y a pas de fenêtre par contre. Pas trop. Ça manque de petits détails sur, je sais pas, ici, des petits là. Tableaux sur les Ouais, je pense qu'il manque un petit peu de détails, de relief. Et sinon. Ou en jeu en général. Pour que ce soit, je sais pas, y a un peu plus de travail, mais bon, c'est normal. Hein. On peut pas attendre. Voilà. Je sais pas quoi dire. Et est-ce qu'on peut accéder? Il y a un accès cuisine. Oui, oui bah oui, là, par là, oui. Là. Hop. Accès et cuisine. Là, bah, la cuisine, vraiment. Hop, c'est la chambre froide, ça, ici? Pas du tout, non, c'est l'accès... Merde. Merde. C'est l'accès sortie du personnel, genre. Non. Bah, ah, mais c'est pour le drive. Ah, bah, bien sûr. D'accord, j'ai pas percuté. Et de l'autre côté? Bah, pareil, t'as l'autre drive. Ah, bah, oui. Commande et puis réception. Ah bien les lampes avec la glowstone et une enclume au-dessus. J'ai pas pensé. C'est où que t'as vu ça? Alors dans le couloir derrière là tu vois. Ah oui oui. La glowstone avec l'enclume au-dessus qui fait tenir la lampe. En ah fait. Ben il y a Mamar et Gogo ils aiment bien utiliser ça. Ils font des gros systèmes lumineux avec ça. C'est super sympa. C'est super sympa. En mode big avec plus encore plus de choses autour et tout, c'est vraiment sympa. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Je vais dire le mot sympa trop souvent, je crois là. Non mais c'était sympa. Non mais c'était sympa. Je vais sortir, faire un petit tour du McDal. Ouais, je trouve le bâtiment assez sympa. Ouais, assez sympa. Non. Après, il a la gueule extérieure. Moi, j'aime bien. C'est un McDo moderne. C'est cool. Je pense que du coup on est bon là au niveau timing. Hein. Ah non, mais il y a plein de trucs sympas, franchement. T'as quel riche. Non, mais c'est sympa. Même, je dirais que ton bâtiment, quand on y rentre, eh ben, les gens sont sympathiques. Ouais. Il y a une ambiance sympa qui se dégage ouais, de ce bâtiment. Il y a quelque chose de sympa. Il y a quelque chose de sympa. Mais écoute, c'était sympa, Tony 74. Merci pour ton McDo. Plutôt sympa. Aussi. Continuez à nous envoyer des sympathiques maisons 50-50. Et n'oubliez pas que dans les 50-50, donc, vous pouvez faire aussi des immeubles d'habitation, des immeubles de bureaux, des gratte-ciels. Hein. Vous pouvez balancer. Vous voyez là devant. Des gratte-ciels et des gratte-culs aussi. Aussi, voilà. Oh, oh là là, l'humour. Non, mais il rentre de vacances. Il faut qu'il se remette dans le bain de l'humour. Peut-être qu'il n'est pas encore chaud. Je sais pas. Ou alors il est au max, je ne sais plus. Non, mais là pour l'instant je suis encore, je fais des vannes sympas. Et vous voyez là où je me dirige vers des immeubles d'habitation qu'on visitera dans d'autres épisodes de visite. Donc mais n'hésitez pas à en envoyer aussi, j'ai rajouté d'autres plots à côté de la marina que vous voyez sur la Dynamap. Bref, sur ce, merci à vous tous et j'espère que vous avez apprécié, vous avez trouvé ça sympa. Et on se retrouve sur un des prochains épisodes bientôt. Ciao tout le monde. Allez, ciao. Salut. Ciao. Ciao. Et surtout, restez sympa. Exactement.